très heureuse de vous savoir très nombreux une fois de plus sur notre site le www.afriqueecomagazine.com, là où nous traitons de problèmes qui a trait avec l'économie et nous vous apportons des solutions sur ces secteurs de l'économie. Alors aujourd'hui, nous avons changé un peu de camp, nous sommes dans le secteur d'enseignement supérieur et universitaire. Alors notre choix a été porté sur l'université chrétienne Cardinal Sibula. Alors notre entretien aujourd'hui va se passer avec l'AG Jerry Biongani qui va nous en dire plus à ce qui concerne l'université Cardinal Maloula. Je le dis déjà, bonjour monsieur Jerry. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va. Alors nous sommes, c'est pour la toute première fois, nous sommes contents de vous recevoir à Afrique comme un des amis. Merci. D'accord. Alors l'université Cardinal Maloula, donc il y a des séjours là qui connaissent et il y a d'autres qui se posent des questions de savoir, il y a encore un autre établissement d'enseignement supérieur universitaire qui est né en République démocratique du Congo. Alors l'histoire, si l'histoire peut nous parler, Cardinal Maloula fut Joseph Albert Maloula et l'un des cardinaux de deux églises catholiques en Afrique noire, donc un cardinal très moderne et puis qui a vraiment une grande histoire sur l'Afrique noire. Alors Cardinal Maloula, c'est tout le monde qui l'a connu, c'est tout le monde qui les connaisse. Et pourquoi votre université porte son nom, Cardinal Maloula? Oui, merci madame. Pour la petite histoire, l'université a été créée en 1984. Par le feu professeur docteur Emmanuel Biongani. Et au départ, l'université, ça, en fait, nous étions un institut supérieur qui s'appelait ISPEL, Institut supérieur de philosophie et lettres. Puis après, Institut supérieur d'économie, philosophie et lettres. Mais après la mort du cardinal Maloula, qui fut notre, je dirais, notre mentor dans l'enseignement, notre parrain, si vous voulez, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'immortaliser ce grand homme, ce grand homme d'éducation, ce grand homme de culture, ce grand homme de religion, qui fut le cardinal Maloula. Donc, lorsqu'il a fallu que nous fassions la mutation de l'institut supérieur que nous étions à l'université, donc nous avons opté pour cette dénomination, la Université chrétienne Cardinal Maloula. Donc, ce pour immortaliser le feu cardinal. Alors, certainement, vous avez eu l'idée sur l'Université Cardinal Maloula, donc ICC actuellement, qui était avant ISP, l'Institut supérieur de... De philosophie et lettres. Voilà, de philosophie et lettres. Alors, ça a été créé par le fait Emmanuel Biongani, qui est votre père. Et pourquoi et quand est-ce que vous avez pu changer ce nom? C'était en quelle année que ça a quitté l'Institut supérieur à l'université? C'était en 2006, voilà. Lorsque nous avions bénéficié du décret présidentiel, nous reconnaissant en tant qu'université. C'est en ce moment-là que nous étions dans l'obligation justement de changer de dénomination pour quitter l'Institut supérieur en université. Donc c'était lorsque nous avions bénéficié de ce décret présidentiel en 2006. Alors qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces secteurs d'enseignement qui vous a plus motivé de pouvoir créer cette université? Parce que on peut dire aujourd'hui, ça fait 33 ans que ça existe. Et à cette époque-là, on peut dire que c'est parmi les universités privées qui a été premièrement créée à cette époque. Alors, quelle était la motivation? Qu'est-ce que vous avez remarqué sur terrain dans ces secteurs qui vous a plus motivé de pouvoir créer cet établissement d'enseignement? Oui, je dirais, je ne vais pas prétendre ici être le géniteur de cette idée, mais le fondateur... Mais certainement, vous avez l'idée, vous avez oui. Parlé avec papa jusqu'à à prendre sa place, si on peut le dire. Exactement. L'idée du fondateur, le professeur Biongani, c'était de rendre accessible l'enseignement supérieur. D'accord. Et même aux personnes les moins nanties. Donc c'était ça l'idée, c'était l'aspect social qui l'a beaucoup intéressé lui-même en tant que formateur. Donc il a voulu donner l'occasion à tous les Congolais et toutes les Congolaises à avoir accès à l'enseignement supérieur, même s'ils n'avaient pas assez de moyens pour aller dans les grandes universités de l'époque.
Alors, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui vous suivent de partout. Donc, on peut dire au travers de notre site, ils vous suivent de partout dans le monde. Et ils aimeront bien savoir quelle est de faculté, donc combien de facultés y a-t-il dans votre université. Peut-être qu'ils auront besoin de quitter là où ils sont, question de venir s'inscrire avec la motivation que vous allez leur donner. Et quel ensemble de facultés plutôt qu'il y a dans votre université, il y en a combien? Au sein de l'UCCM, nous avons 6 facultés. Donc, nous avons les sciences sociales, nous avons l'économie et gestion, nous avons le droit et criminologie, nous avons la philosophie et sciences humaines, et nous avons les sciences de l'art. Mais au sein de chaque faculté, nous avons des différents départements. Je ne sais pas si je peux aussi les citer. Donc, nous avons, au sein de la faculté des sciences sociales, nous avons le département de sociologie et développement, les sciences politiques et administratives. Pour la faculté de l'économie et gestion, nous avons le département d'économie et finance, gestion et commerce international, banque et opérations monétaires, marketing et gestion des affaires, informatique de gestion. Pour la faculté de droit et criminologie, nous avons le droit privé et judiciaire, nous avons le droit économique et social, nous avons le droit public interne et international. Pour la faculté des relations internationales, nous avons le département des relations économiques. Pour la faculté de philosophie et sciences humaines, nous avons le département de philosophie. 30 ans après, naturellement, nos enseignants ont acquis une expérience dans ce domaine qui aujourd'hui nous permet de nous bomber les torses et dire que nous avons une bonne formation. Et ensuite, c'est la qualité des enseignements aussi, parce que la qualité des enseignements dispensés. Vous savez, madame, il y a plusieurs universités aujourd'hui, surtout dans les publics, où nous avons pratiquement les mêmes enseignants, mais qui dispensent ailleurs dans un auditoire de 3000 étudiants. La matière reste la même, mais la compréhension des étudiants ne sera pas la même parce qu'il y a tellement. Il y a un pléthore et la compréhension sera difficile. Troisièmement, nous avons la viabilité de nos infrastructures. Nous avons été à plusieurs reprises consultés, je dirais, par les instances du pays. Et après chaque exercice, il s'avère que notre institution reste viable. Donc c'est déjà un élément important. Et aussi, il faut souligner que tous nos anciens diplômés, partout où ils vont, dans différentes entreprises du pays ou même à l'extérieur, font la fierté, ils sont des vrais ambassadeurs de l'UCCM parce qu'ils brillent partout où ils passent. Alors là, on peut dire c'est le rendement sur le plan professionnel que vous dites tout haut comme ça. Exactement, exactement, parce que c'est ça le but. Le but, c'est que nous puissions produire au sein du marché, disons, dans le marché d'emploi, les meilleurs qu'ils soient. Alors, combien de vacations déjà? Nous avons 2 vacations, le jour et le soir. Et pourquoi vous avez voulu que ça soit comme ça? Parce que le jour, évidemment, c'est pour tout le monde. Mais nous avons estimé que il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont déjà dans le monde de l'emploi, mais qui ont besoin de parfaire leur formation. Et ils n'ont pas le temps pendant la journée. D'accord. Raison pour laquelle nous avons ouvert cette vacation soir, pour permettre à ceux-là de venir parfaire leur formation. D'accord. Alors, on peut dire que votre université, 33 ans, c'est pas peu de choses. Certainement, vous avez eu à sortir sur le plan politique et dans d'autres secteurs, d'autres domaines aussi, de grands noms qui peuvent faire votre fierté aujourd'hui. Est-ce que quelques-uns ou quelques-unes, on peut en connaître? Oui, c'est vrai que ça sera un peu difficile. Je vais essayer de me remémorer un peu. Nous avons, par exemple, Madame Bijou Katz, l'ex-vice-gouverneur de la province du Katanga et ex-ministre du genre et famille. Nous avons l'ex-ministre Bouloupi, qui est notre étudiant aussi, qui fut notre étudiant. Nous avons M. Simon Mosso. D'accord. Alors là, nous comprenons qu'ils sont tellement nombreux, ils sont tellement beaucoup. Nous avons beaucoup de députés, en tout cas dans différentes institutions, nous avons des représentants. Alors, quel ensemble de difficultés que vous êtes en train de connaître sur
ces secteurs d'enseignement, particulièrement vous, l'Université Chrétien Cardinal Mamoula? Les difficultés, je dirais, c'est plus d'ordre, je dirais, institutionnel. L'Université Chrétienne Cardinal Mamoula étant une institution d'utilité publique, nous ne bénéficions malheureusement pas des subsides venant de l'État, nous ne bénéficions pas des appuis du gouvernement ou même d'autres partenaires. Donc jusque-là, l'université fonctionne avec ses moyens propres. Et ensuite, je parlerai d'une certaine tracasserie aussi des services publics. De temps en temps, il faut payer telle taxe, il faut payer ceci, il faut payer cela. C'est vraiment ça, je peux dire, les difficultés que nous rencontrons et qui ne nous aident pas à concrétiser ou à aller de l'avant dans nos différents projets. Alors, sur le plan économique, quel est l'apport de l'ICCM sur l'économie nationale? Je dirais l'apport est palpable. Hein? L'apport, c'est sur les marchés. Nous formons des cadres de demain qui, partout où ils vont, ils apportent un plus dans différents domaines où ils exercent. Donc l'apport, je dirais, de l'UCCM, c'est celui-là. Et l'apport purement économique, je dirais que l'UCCM permet aujourd'hui, vu la situation économique qui est très très difficile, permet aujourd'hui aux étudiants, les moins nantis, comme j'ai eu à le dire tout au début, d'avoir accès à l'éducation. Donc les parents qui n'ont pas assez d'argent, qui ont des problèmes sur le plan financier, arrivent quand même, grâce à l'UCCM, à mettre leurs enfants, ou eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'il y a certains parents qui étudient encore ici, à avoir accès à l'enseignement supérieur. Donc je dirais que c'est aussi ça l'apport. Alors on peut dire 33 ans, nous revenons toujours par là. Alors depuis tous ces temps, vous vous donnez plus d'importance ici à Kinshasa qu'ailleurs dans d'autres provinces? Non. Mais c'est vrai que, au fait, nous, certes, nous avons commencé il y a 33 ans, okay. Mais il nous fallait faire mieux. Et pour faire mieux, il ne faut pas se disperser. Donc, nous avions estimé à cette époque-là qu'il fallait mettre plus d'accent à la maison mère, qui est l'Université Chrétienne Cardinal Mamoula de Kinshasa. Okay. Et c'est ce que nous avons fait. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons cette notoriété. Nous avons aujourd'hui l'ampleur que nous avons. Mais c'est dans les projets. Nous sommes déjà en train d'envisager d'ouvrir maintenant d'autres universités chrétiennes Cardinal Mamoula dans d'autres provinces, notamment au Katanga, dans le Bas-Congo, et même à l'Équateur aussi. Donc bientôt là, nous allons ouvrir dans différentes provinces. Mais nous ne voulions pas ouvrir ailleurs des universités qui n'auront pas le même niveau que celle que nous avons à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous avons tout mis en place pour que nous ouvrions des universités dignes de ce nom dans ces différentes provinces. D'accord. Alors, si l'État doit vous mettre la main pour faire avancer dans ce que vous avez déjà commencé, dans 33 ans, quand vous venez de dire qu'il y a certaines difficultés que vous rencontrez, il y a de tracasseries et autres qui vont avec. Alors si l'État congolais doit vous mettre la main, question de vous faire avancer encore plus, que vous puissiez encore plus propulser, qu'est-ce que vous diriez ou bien vous proposerez comme solution de votre côté? Bon, je dirais que toutes les propositions, déjà premièrement, toutes les propositions seront les bienvenues. Okay. Tout forme de soutien sera bienvenue. Et votre demande auprès de l'État congolais? Notre demande, justement, c'est cet appui-là. Nous avons besoin de l'appui dans tout ce que nous faisons. Okay. Sur le plan des taxes de l'État, l'État doit nous aider à ne pas être essoufflé par les différentes obligations. L'État doit nous aider à, par exemple, nous payons l'électricité, nous payons la régie des eaux et tout ça. Et ces fonds-là pouvaient nous permettre d'agrandir, par exemple, l'institution. Donc déjà de ce côté-là, nous avons vraiment besoin de ce soutien-là. Je me rappelle qu'il y a un ministre qui est passé, que je salue, le feu Macha Koumamba, okay. Qui à l'époque avait pris un arrêté qui nous dérogeait
de ces frais-là, différents frais dus à la SNEL et à la Régie des Eaux. Mais malheureusement, après son départ, ça a été rejeté. Et d'ailleurs, ça nous a causé du tort parce que nous avions été obligés de payer tous ces mois où nous avions bénéficié de gratuité. Donc nous avons, il y a eu un effet rétroactif qui a pesé, qui continue à peser très lourd dans le fonctionnement de l'université. Donc il y a déjà ça. Mais au-delà de ça, nous sommes dans les besoins, par exemple, pour ajouter des auditoires. Donc si l'État nous aidait à achever ce plan que nous avons en ce qui concerne les infrastructures, nous serons les plus heureux. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous pouvez peut-être ajouter? Ben, ce que je peux ajouter, c'est que nous invitons tous les jeunes qui se soucient de leur formation de venir à l'UCCM, parce que l'UCCM étant une université chrétienne, nous prenons ici, au-delà de la science que nous transmettons, nous prenons les valeurs chrétiennes. Ça veut dire que les étudiants qui sortent d'ici n'ont pas seulement l'intelligence, mais ont aussi une certaine capacité de vivre en société, sans avoir beaucoup de problèmes parce qu'ils auront une conscience bien formée. Alors, notre entretien touche à sa fin. Merci de votre aimable attention que vous nous avez accordée. Et là, nous avons passé ces 25 minutes avec l'AG du l'ICCM, donc Université Chrétienne Kerbunan Maloula. Je veux savoir que cette université est dans la commune de Kassaboubou, sur l'avenue Sayo, 23-17 bus. Alors, vous qui voulez bien être formé, vous qui voulez bien avoir une formation très élevée et très importante dans la société, voilà l'adresse qu'il vous faut pour votre enseignement. Certainement, vous qui êtes passé par ici, donc à l'époque de l'ISPL, vous avez compris que ça changeait de l'ISPL à UCSM. Alors, vous qui avez aussi besoin d'avoir une formation, être utile dans la société, alors voilà l'adresse qu'il vous faut, question de vous y mettre et puis être vraiment de grandes personnes demain, donc de personnes très importantes dans la société. Alors, nous sommes déjà à la fin. Merci de votre amable attention que vous nous avez apportée et on se retrouve très prochainement pour notre loisir et restez connectés sur notre site. À très bientôt.